Mais ça fait longtemps que vous écrivez. Vous avez mis ça dans un sac en plastique oui. sous le lit. Vous avez essayé de le cacher, que personne ne le trouve. Mais ça, c'est des choses que j'ai écrites justement à cet âge-là. C'est 27 ans où ouais. tant de choses sont arrivées. Moi, j'ai eu une enfance et une adolescence et une toute première jeunesse assez difficile. Puis comme j'ai une apparence douce et que j'ai une voix douce, toutes les choses restaient prises à l'intérieur de moi, mais j'étais sur le point d'exploser. En fait, j'ai explosé. Et à un moment donné, j'ai décidé d'écrire des choses qui étaient difficiles, qui étaient violentes même. Et puis, je les écrivais, puis j'avais peur de ce que j'écrivais réellement. Et puis, je pliais ça, puis je mettais dans un petit sac de plastique, puis j'étais paranoïaque, puis je cachais ça en dessous de mon lit. Bon, ce petit paquet de feuilles-là dans le sac de plastique, il restait là dans ma vie, toute ma vie. Et toujours, je me disais, il faut que le petit paquet de feuilles apparaisse. Il faut qu'il apparaisse. Puis là, finalement, j'ai réussi à le faire apparaître. Je cherche un autre endroit pour mettre le petit paquet de feuilles dans le sac de plastique. Sous mon matelas, peut-être. Mais n'est-ce pas là qu'ils iront d'abord, ceux qui veulent me trouver?